On termine maintenant ce journal comme on l'a commencé, avec du sport toujours, mais du patinage artistique cette fois sur Grand Lille TV. Car ce week-end à Ouescal avait lieu la seconde manche du Challenge Régional Nord-Pas-de-Calais Champagne-Ardennes. Une compétition des meilleurs jeunes de ces deux régions, avec 145 patineurs de 6 à 16 ans venus de Troyes, Reims, Valenciennes ou Dunkerque, et bien sûr du club local de Ouescal, qui accueillait en fait pour la première fois ce challenge reconnu, dont la finale aura lieu à Reims au mois d'avril. Le club de la métropole lilloise présentait 13 patineurs ce week-end face à des jeunes évoluant en 3e division. L'occasion de se mesurer au meilleur en conditions réelles avec jury et notation. Julie Sicot a suivi cette épreuve samedi et a rencontré deux de ses jeunes patineuses. On les écoute. Mon programme, ça dure de 2 minutes 30. Je fais salco, salco boucle, boucle boucle piqué et salco boucle piqué. C'est important parce qu'on n'a pas beaucoup de compétitions dans l'année, donc faut réussir celle qu'on a l'occasion de faire. J'ai mis deux doubles sauts et deux accels, c'est assez compliqué, mais avec l'entraînement, on y arrive mieux.